Tu veux sortir avec moi. Non, je sors pas avec quelqu'un qui sait pas écrire. Merci. Dis con, change de métier, viens restaurateur avec moi. Oui, tu es libre. Ah, mais je sais. Merci, mon enfant. Tu seras baptisé. Tu es libre. Amen. Amen. Je te baptise en tant que nom du Père, du Fils et du Dentifrice. Amen. Bonjour, les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? T'es portugais. Pas restaurateur. Portugais, il faut avoir le diplôme. Hey, portugais. J'ai pas le droit, ça, non? Magnifique. Mais elle est ouverte. Du vol. J'ai emprunté, c'est du RP. J'ai emprunté. Parce que tu peux y aller juste pour cacher, c'est bon. Elle est pas voulu, je la garde devant le McDo comme ça il pourra manger un truc. Je vends une voiture. $5,000 une voiture. Qui s'intéresse, mesdemoiselles, messieurs? Non, elle était ouverte. Il m'a emprunté, il m'a dit que je devais la vendre. Bon, bah, si c'est. Bah, je vous la fais gratuit. Bah, au revoir. Bah, il a pris, c'est pareil. Il tire, d'accord. Je sais pas, il casse les pieds. Parce quoi dehors? Je sais pas, ça tire. Ah, quelqu'un va mourir. Viens là, c'est pas notre âge tout ça. On va mettre ça. J'arrive. Ouvre-moi, mon ami. Mais vous tout seul, viens. Mais putain, je ne comprends pas. Voilà, c'est bon. Et on fait l'ajusteur. L'ajusteur version pizza, mais qu'on va rien retirer. Hein. Ouais. 100 000 pizzas pour 100 000 euros. Comme si on pouvait mettre 100 000 pizzas, mais ça servira à rien dans le jeu. Ouais, des armes en tant que cuisinier. Genre une fourche ou une cuillère. Ou... Bonjour, je viens parce que j'ai faim, s'il vous plaît. Je sais pas là, je sais pas faire en vrai. Mais si, t'as juste à le vendre, tu demandes le prix, voilà. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Alors, je voudrais de menu, merci, baisse-toi, s'il vous plaît. Je vais voir ça. Tu demandes le prix avant, faut qu'il te donne l'argent. Ça fera $200. Eh ! Ah bah, on est très cher, nous sommes le 5 restaurateur de la ville. Faut bien qu'on gagne une autre croûte. La recette secrète du pâté de crabe. Ouais. Oh putain. Bah, il en prend deux. Bonjour à très cher client, n'hésitez pas à vous positionner dans la rang. Pendant que je fasse le magasin. D'accord. Au plaisir. Bonjour messieurs, c'est la journée aujourd'hui. Ah, bonjour à Télémagne. Bonjour à tous. Bonjour à Télémagne. Il y a masque lion, mec. J'ai faim. Plein patienting dans la ring, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, je suis patient. Merci beaucoup. Quelqu'un a ouvert. C'est moi. Il faut se dépêcher un peu. Midi. Deux, vous avez demandé. Après, je te demande à manger, je te le dis. C'est galère à prendre. Attends, j'avoue, il est parti sans le deuxième. Alors, ça gagne, vendeur d'armes. Eh, moi, je veux 11 plateaux, s'il vous plaît. Attends, juste, est-ce que c'était pas deux de base, les Big Mac? Si, bah, du coup, bah, je vais vous en refaire un. Ah! Non, pas un plateau. Deux plateaux. Deux plateaux, ça fera. Non, trois plateaux. Collègue, c'est combien déjà trois plateaux? Trois. 300. Plateaux. $300. Ouais, ouais. Bonjour, excusez-moi, c'est encore pour un petit don. Moi je dis pas non. Revenez, monsieur, revenez. Vite, cache le cadavre. Ah, c'est vrai que j'ai entendu. Non, j'ai dit cache la moutarde. J'ai entendu le cadavre. Non, j'ai dit cache la moutarde. Ah, la moutarde. Prends-lui. Alors en fait, je voulais faire mes courses. Attendez, je regarde mon inventaire. Regardez votre inventaire. Je vais prendre plein de trucs. Je vais prendre un burrito. Je peux payer à la fin de toutes mes commandes parce que je compte commander beaucoup. Ah oui, bah là on fait la liste déjà et après on vous dit le prix. Et après vous payez et après on vous donne tout. Alors, un burrito. Un poulet, des nuggets, des frites, quoi d'autre que je vais prendre? C'est pas, des miel pops. Miel pops? Non, mais y'a pas ça. Ah, par contre y'a des trucs qu'on va peut-être pas avoir. C'est sûr que vous notez, vous retiendrez jamais tout ça. Hein. C'est mon collègue qui retient, mais y'a des trucs qu'on a pas en boutique. McDo, pas, quoi. Vous savez, nous sommes pas Intermarché, hein, nous sommes McDo. Ouais, mais Inter il est fermé là donc. J'ai un soda. Vas-y, tu répètes après moi. J'ai faim, monsieur, je vais mourir de faim. Attends, je mets tout sur la table. Oui, mets tout sur la table. C'est un ballon. Ah, bah oui, désolé, mais il est très lent, mon collègue. Mais elle me dit des trucs qui n'existent pas, y'a pas de nuggets. Mais si, y'en a des nuggets, toi. Non, on a pas de nuggets, je me disais. Mais si, y'en a. Dans Food, y'a marqué nuggets. Je démissionne. Tiens, regarde, tu vois. Mais vas-y, fais voir, je vais faire la commande, toi t'es vraiment nul. Putain, t'as mangé. Oh le petit con. Ouais, hey, toi tu fais chier là. Va au comptoir là, tu fais que des bêtises là. Allez. C'est compliqué. Mais putain, mais tu sais pas lire, mec, ça abusé. Mais y'a pas de nuggets. Mais si, y'en a, regarde, c'est quoi ça? Monsieur, y'a une main ça qui dépasse. C'est du nuggets. Là-bas, c'est quoi ça? C'est pas des nuggets, c'est une cuisse de poulet ça. Mais qu'est-ce que y a tu marqué nuggets, espèce de con. Allez. Mais alors, moi, pour moi, c'est un poulet de KFC, y'a rien de nuggets. Laisse à terre. Si, c'est une nuggets ça, monsieur.
Et par contre, on va pas avoir de frites. Hein. Comment ça, y'a pas de frites? Bah, nous, c'est Maxime. On est dans un McDonald's, mais y'a pas de frites. Y'a des frites dans un plateau, si vous voulez. Comment ça, vous vendez pas de frites? On est à McDonald's, non? Bah, alors, vous vendez des miel pops, mais pas des frites. Eh, vous mangez ouais, je guillet, sais hein. pas. Désolé, mon collègue, il est un petit peu lent. Ta gueule. Du 250 qui me casse pas les couilles. Pardon, je l'avais allumé. 300 Elle a mis en mon téléphone. 300 Ok. Merci beaucoup. Je lui ai filé 250 au lieu de 300, elle a rien vu. Ouais, mais tu sais, moi c'est pas grave, je suis riche donc. T'as oublié le 1 nugget. Mais. Tu sais quoi, j'ai un nugget. Et en plus, j'ai pas, voilà. Elle m'a baisé, je vais la baiser. Quoi? Mais attendez, y'avait pas que ça, j'avais demandé un poulet aussi. Y'avait pas de poulet. Là, j'ai juste eu mon plateau menu McDo, mes popcorn et ma boîte de céréales miel pop, parce que j'ai pas eu mon poulet. On a pas de poulet, madame. Mais monsieur, vous vendez bien des poulets. Non, ça c'est KFC. Monsieur, vous pouvez pas me fermer le... Eh ben, je souhaite un remboursement, monsieur. Vous m'avez fait payer pour la liste complète que je vous ai dite. Vous m'avez payé 200. Ah non, j'ai mis 250. Ah, pareil. Ah. Alors de base, on a mis 3, bah, 300, grave. Donc c'est rare. Est-ce que je peux avoir le sandwich qui est affiché sur l'affiche là derrière vous? Ah. C'est embêtant là. Lequel vous voulez? Il y a celui à 500$, celui à 1000$, 2500. Et celui à 5600. Je vois mal. Ouais, mais c'est super cher. Ah bah oui, bah c'est pas grave, revenez une prochaine fois. Ah bah on est passé en euros, hein, avant c'était... Bon, c'est pas grave. Du coup, avec ceci, je vais vous prendre 10 pizzas, s'il vous plaît. Putain de salope. Pizza, eh. 500, d'accord, allez, 500. On prend... Pas d'arnaque cette fois-ci. Ah, c'est la modératrice. Salope. Il manque un dollar. Eh bah il manquera une pizza. Oups. Non, attendez, je vous rajoute le dollar, je vous rajoute le dollar. Un dollar. T'es rencontré du... Oh merde, la pizza. Elle est décollée. Ah non, elle est tombée, vous la refaites, hein. Ouais, elle est tombée, vous la refaites. Ouais, toutes les pizzas faites. Qu'est-ce que vous faites? En maison, là, vous baissez... Y'a un Pokémon là-dessus? Mais c'est pour Pokémon! Ouais, Pokémon! Vivre, hein, j'attends depuis tout à l'heure! C'est une pizza volante! Arrêtez de jouer avec ma nourriture, s'il vous plaît! Ouais, je vole la pizza, c'est un truc de malade! Une pizza! Ça d'ailleurs, faut que je fais cuisiner. Ça fait une, là! Faisons comme on peut. Mais putain de pizza, arrête de tomber, je t'attrape en plus! Allez, allez! Oh putain! Merci beaucoup, monsieur! Par contre, elle est à l'envers, celle-là, on va me la mettre à l'endroit, à l'endroit. J'arrive pas à parler. Parce que celle-là c'est pour offrir, donc il faudrait mieux que je la présente dans l'autre sens, si vous voulez. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée. À la prochaine. Attends, je suis une meuf là. Oh sa mère, je suis une meuf. Elle dit oui. Ah bah voilà. Oh putain. Je suis un roi. Je viens de me respecter. T'es où? Bah c'est toi ça. Le gros, ouais. Oh putain. Nous allons dans notre fort. Allez, allons-y. Je vais rentrer dedans, mon gars. Ah, il essaie de m'écraser ce bâtard. Il est vrai que par contre je recule, je vois rien. Attention, arrête. Voilà, on sort. Attends, je vais la mettre prêt à sortir. Attends, j'y suis presque. Deux secondes. Donne-moi un petit instant. Le roi vient de conduire. Hop là. Voilà. Alors, je suis où? Ok, je regarde derrière. Attends, c'est quoi que je passe le code? C'est... 103 ans. Attends, j'y suis presque. Ah! On est bien là, hein. Ah ouais, viens, on va faire full casino, mec. Bah ouais, qu'on on dépense toute ma thune. Et après, si j'ai de l'argent, et ben on fait moitié-moitié. Ah les gars, le casino c'est mal, ne faites pas ce qu'on veut, ce qu'on fait. You can just move me. Avec ta sœur qui sourit derrière. Ah oh bah voilà, elle est posée. Elle veut plus bouger. Ah putain, regarde ton chat. Regarde ton chat, il se met près de l'écran. Et voilà, et elle se pose. Tu la prends? Vas-y. Miaou. Miaou. C'était mon chat, Isult. Why did you take my life?